Hello Tingu, c'est Sam du blog samlesdramas.fr. Aujourd'hui, c'est notre 100e vidéo sur la chaîne, donc je trouve ça vraiment incroyable. Enfin, 100 vidéos, c'est juste énorme. Et du coup, je me suis dit que pour l'occasion, j'allais vous faire une petite vidéo qui sort un peu de ce que je fais d'habitude. Et j'ai choisi de faire un le drama le plus. Alors, en vrai, pour chaque catégorie, j'ai pas pu choisir un seul drama parce que je suis faible. J'en ai choisi à chaque fois deux, voire trois quand vraiment j'arrivais pas à me décider. Et c'est parti! Dans la catégorie du drama le plus drôle, j'ai choisi Anna Zakari no Kimitashii, un drama japonais qui m'avait fait mais mourir de rire. Mais quand je vous dis mourir de rire, c'était vraiment mourir de rire parce qu'on a deux héros qui sont tout en train de se chamailler. Et c'est tellement drôle! Et concernant les Coréens, le premier qui me vient à l'esprit, c'est She Was Pretty. Parce que franchement, mais l'héroïne et puis le second lead masculin m'avaient fait mais. C'était tellement drôle. Enfin, j'en garde des souvenirs, mais hilarants. Le drama le plus mignon, je n'hésite pas une seule seconde pour citer mon petit chéri Kiss Me. C'est en fait la version thaïlandaise du drama coréen Playful Kiss. Et toujours pour la Thaïlande, je citerai Ugly Duckling Perfect Match, qui est un drama que j'avais vraiment, vraiment, vraiment tellement adoré pour son petit couple pareil, qui était mais à mourir de mignonnerie. Pour le drama le plus triste, là non plus, je n'hésite pas une seule seconde et j'en citerai trois. Heaven's Tree et A Love to Kill pour les Coréens, qui m'avaient fait mais verser des millions de dollars. Et pour les Japonais, sans aucune hésitation, pareil, Ichiritoru no Namida, qui parle en fait d'une jeune fille qui a une maladie et qui va mourir. Et vraiment, ces trois dramas qui m'ont tellement touchée, tellement marquée et tellement fait pleurer. Le drama le plus beau, un des premiers qui me vient en tête, c'est Autumn's Concerto. J'avais tellement été touchée par cette petite famille, par la difficulté des personnages qui, ensemble, parviennent à surmonter en fait les difficultés de la vie. Et c'est un drama qui m'a vraiment marquée pour son humanité. Et chez les Coréens, je dirais You Come From The Stars, avec sa romance inoubliable entre une humaine et un extraterrestre. Le drama le plus sexy, A Scent of a Woman, la scène du tango, qui est juste absolument mais magnifique. À chaque fois que je la vois, enfin, j'en frissonne. Enfin, c'était tellement intense, tellement beau. Et c'est vrai que je pense à ce drama en premier. Le drama le plus badass, je dirais sans hésitation, City Hunter et Healer, qui racontent chacun l'histoire d'un agent secret hyper canon, hyper badass, avec des scènes d'action à couper le souffle. Le drama le plus what the fuck, bah là forcément ce sera les japonais. J'ai Adachinchi no Denshi et My Boss My Hero. L'histoire sont complètement tirées par les cheveux, l'humour est à la limite du burlesque, mais ça me fait tellement rire. Le drama le plus romantique, je n'hésite pas non plus, un de mes dramas préférés, Fatal to Love You, version coréenne évidemment, et Queen in Eun's Man, ces deux romances absolument superbes. Le drama le plus must-see, alors là j'en ai choisi trois parce que c'était vraiment trop dur de choisir et encore il y en avait d'autres que je voulais choisir. Évidemment, Boys Over Flowers, Secret Garden et You Are Beautiful. Trois dramas qui ont marqué mes débuts à Dramaland. Le drama le plus épique, sans aucune, mais alors aucune, mais alors aucune, mais alors aucune hésitation, Empress Ki, le drama historique du siècle. Je ne le répéterai jamais assez. Et je citerai également Warrior Bag Don't Sue qui m'avait profondément marqué. Le drama le plus. Oh, mais pourquoi personne ne l'a vu? Pour les Thaïlandais, je dirais sans hésitation Les Nangfa, dont je vous ai parlé l'année dernière, qui est un peu un petit conte de fées thaïlandais. Et c'était tellement bien! Ainsi que Love That Make Me Cry, qui cette fois est un drama japonais, qui pareil n'a pas été beaucoup vu et qui moi m'avait profondément touchée pour sa sincérité. Le drama le plus. Waouh, mais quelle OST! Sans hésitation, je dirais Moon Lover, qui détient, je pense, le plus de chansons magnifiques qu'on peut imaginer. Et bien sûr, Empress Ki, notamment avec son thème principal, qui me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute. Le drama le plus décevant, je vais choisir deux dramas assez récents, à savoir The Legend of the Blue Sea et The Bride of the Water God. Le drama le plus vieux, je pense immédiatement à Full House, mon premier drama coréen, et à Devil Beside You, mon premier drama taïwanais. Le drama le plus addictif, un petit peu compliqué de choisir, mais je dirais Kill Me and Me et Signal. Le drama le plus sombre, Save Me, avec son histoire de secte à vous glacer le sang. Life, avec son harcèlement scolaire, enfin c'est un drama voilà. Et Mars, pour ses personnages tellement torturés. Le drama le plus mal aimé, alors je citerai One More Happy Ending, qui n'a pas eu beaucoup d'éloges, alors que pourtant moi j'avais tellement aimé. Et The Earth, qui est assez controversé, et il y a pas mal de personnes qui ne l'aiment pas, et moi pourtant j'avais vraiment adoré, d'ailleurs c'est un drama que je voudrais revoir. Le drama le plus réaliste, là je n'ai aucune hésitation, je choisirais It's Okay That's Love, qui est très mature et très humain, ainsi que Hormones, qui raconte en fait les déboires un peu des adolescents thaïlandais. Le drama le plus stressant, je pense que je dis I Hear Your Voice, avec son méchant tellement
masque avec cette héroïne qui est piégée dans une situation absolument terrible. Le drama le plus tendre, je dirais My Secret Romance et Bromance. Et enfin, le drama le plus original, sans aucune hésitation, W to World, avec ce personnage de manga qui finit par prendre vie. Donc voilà, c'était vraiment très très dur de choisir des dramas, il y a plein de dramas que j'aurais voulu citer, que j'ai pas pu citer, mais c'était un plaisir et je me suis beaucoup amusée à faire ces le drama le plus. Et alors n'hésitez pas vous aussi en commentaire à me dire vos dramas les plus, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salamie, popo, bye bye.